Bonjour, Jumbo, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, bienvenue dans la team. La Saint-Valentin approche, mes besties. Comme vous le voyez, je vais vous donner quelques idées de cadeaux pour la Saint-Valentin. Il y a les personnes qui ne fêtent pas, je vous comprends. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent même pas rater ces jours-là parce que c'est un jour où ils sortent, où ils partent profiter, passer des moments romantiques ensemble. Et si tu rates les cadeaux, ça peut être un moment catastrophique dans les couples. Et moi, j'ai choisi de vous donner quelques idées pour des cadeaux, surtout qu'il ne reste que quelques jours. On n'a plus le temps pour faire des gros, gros cadeaux. On va faire juste des cadeaux simples, rapides, que tout le monde peut faire et qui peuvent être abordables par tout le monde. Des cadeaux abordables par tout le monde. Mon premier cadeau que moi je trouve qui va pour tous les goûts. Déjà, il y a des personnes qui préfèrent le fêter tout seul, parce qu'ils sont célibataires ou bien parce qu'ils préfèrent juste être tout seul. Il y a d'autres personnes qui préfèrent le fêter avec les amis, en groupe, groupe de couples, ou bien groupe de filles, groupe de garçons, comme vous voulez. Chaque personne peut fêter la Saint-Valentin comme il le sent. C'est l'amour et comme ils considèrent que c'est le jour de fêter l'amour, et on peut fêter l'amour entre copines, entre copains ou entre amis. Et le premier cadeau que moi j'ai considéré, réserver les restaurants, entre couples, un petit moment tête à tête en amoureux. Ça peut être un très beau cadeau entre deux amoureux ou un beau cadeau aussi entre un groupe d'amis ou un groupe de copains, copines. Voilà, c'est mon premier cadeau que je trouve pour la Saint-Valentin qui va jamais être démodé. C'est réserver un restaurant. Le deuxième cadeau que je pense qui peut aller aussi pour tout le monde, que ce soit les couples ou bien des amis ou bien des personnes qui veulent fêter tout seul, c'est réserver un billet au cinéma. C'est réserver les jours-là, aller regarder un film ensemble, en couple ou entre amis ou entre copains. Ça, c'est des choses que vous pouvez trouver même à la veille de Saint-Valentin. Il y a le troisième cadeau que je vous propose, c'est faire des cadeaux personnalisés, des t-shirts, des bijoux ou des choses personnalisées, des choses très simples que même toi-même tu peux faire à la maison, mais c'est fait vraiment avec cœur et avec beaucoup d'amour et il n'y a personne qui n'aime pas ça. Le quatrième cadeau que je vous conseille pour la Saint-Valentin, que tout le monde peut donner, que ce soit les filles ou les garçons, vous savez, les garçons aussi ils aiment les fleurs, hein. Il y a des garçons qui aiment recevoir des bouquets de fleurs. Et vous pouvez offrir, que ce soit aux garçons ou aux filles, des fleurs. Ou si vous êtes en groupe, tu amènes un bouquet de fleurs et tu peux donner à chacun de tes copains ou copines une petite fleur. C'est trop, trop sympa pour la Saint-Valentin. Il y a aussi, cinquièmement, je peux vous proposer les cadeaux que moi je considère que tout le monde aussi peut porter. Que ce soit les filles ou les garçons ou entre copains ou entre amis. C'est le parfum. Qui n'aime pas le parfum. Il y a d'autres personnes qui ne mettent pas du parfum, mais si tu as un copain ou une copine qui aime le parfum et vous allez fêter ensemble la Saint-Valentin, c'est un très beau cadeau. Pour les femmes, pour les filles, et que ce soit pour les filles ou que ce soit pour les garçons, ça peut aussi passer. Il y a les garçons qui gardent la barbe. Si ton chéri garde sa barbe, il aime bien prendre soin de sa barbe, tu peux l'acheter des coffrets d'entretien de barbe avec les shampoings, après shampoing et avec les produits pour entretenir la barbe que vous pouvez faire ensemble. S'il a l'habitude de les faire tout seul, un jour tu peux lui proposer, tu lui fais des massages et tout ça. Dans le coffret, je pense qu'il y a tout parce que j'ai déjà vu des coffrets pareils. Et pour la Saint-Valentin, ça peut vraiment passer et c'est trop génial. Et toi, si tu veux proposer à ta copine ou à ton chéri, nous les filles, on a les cheveux, on aime bien entretenir les cheveux. Tu fais également des produits pour entretenir les cheveux. Il y a des coffrets avec shampoing, après shampoing, des produits, des masques et tout ça. Ça passe toujours et nous, on va adorer, on va kiffer. Je vous ai proposé mes 5 cadeaux pour les gens qui fêtent la Saint-Valentin. Et moi, si vous voulez que je vous donne mon avis, je n'ai pas d'avis pour cette fête. Parce que chaque couple fait ce qu'il veut. Chaque couple fête la Saint-Valentin ou pas. C'est eux qui savent ce qu'ils préfèrent. Il y a des gens qui le fêtent, il y a des gens qui ne le fêtent pas. Alors, si vous fêtez la Saint-Valentin, je vous souhaite bonne fête de Saint-Valentin en avance. Allez acheter vos cadeaux, faites-le si vous voulez les personnaliser. N'hésitez pas à faire, profitez, amusez-vous ces jours-là. Mais
Ne vous fâchez pas s'il a oublié de vous amener les cadeaux. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis au revoir. Kwaheri. Mama Africa.